Salut, toi qui me regardes, j'espère que tu vas bien. Je te fais vite fait cette petite voix off au montage parce que je me suis rendu compte en regardant mon rush que je dis un petit peu une connerie sans le vouloir. Quand je dis que tout simplement je ne vais pas spoil, ben, indirectement si, parce que forcément quand tu avances dans l'histoire, ben, tu vois la suite du jeu. Voilà. Donc ceux qui veulent regarder cette vidéo, qui n'ont jamais fait le jeu, qui veulent le faire, ne le regardez pas parce que ça va te spoiler. Tout simplement. Voilà, c'était pour te prévenir. Passe une bonne vidéo. Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo détente sur The Last of Us partie 2. On est bien évidemment sur PlayStation 5, mes très chers amis. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo détente? Pour ceux qui ont suivi mon Let's Play sur The Last of Us partie 2 version PS4, là alors c'est la version PS4 si tu veux. La seule différence c'est que... Putain, elle m'a effrayé. Je m'en rappelais plus de ça, moi. Vas-y. C'est intéressant comme son. Désolé, ça me vient comme ça. Allez, dis-le. Je t'aime. Peu importe. Et toi, tu seras ma groupie. T'as quoi? Bah, tu sais. Les personnes qui suivent leur groupe préféré partout dans le monde. C'est pas déjà ce que je suis en train de faire? Si, on peut dire ça. Oui, donc je vous disais, le jeu là actuellement, c'est la version PS4. La différence, c'est qu'on est bien évidemment sur PlayStation 5. Et que la grosse différence, en fait, c'est que si je vais dans les options et je te montre dans... affichage, on peut jouer en 60. Alors, je vais te montrer la différence en direct et c'est assez fou de pouvoir jouer à 60 FPS. J'ai hâte parce qu'il y a une version remasterisée PS5 qui va sortir plus tard, tout simplement dans l'année, normalement cette année. J'ai hâte, franchement, j'ai hâte. Là, comme tu peux voir, si je te montre, non, c'est pas cette touche. Attends, si j'appuie là. Voilà, je suis... alors, à tous les connaisseurs de Sony, PlayStation 4, 5, machin, je n'ai pas réussi à récupérer mes données de la PS4 vers la PS5. J'ai tout essayé. J'ai essayé via le cloud, via la clé USB, impossible de récupérer. Si vous regardez cette vidéo et vous êtes connaisseur en PlayStation, n'hésitez pas à me le dire parce que je n'ai pas réussi concrètement et ça me casse littéralement les rouleaux de printemps, comme dirait l'autre, parce que je peux pas récupérer certaines saves. Alors là, pour le coup, ça m'arrange parce que je peux me refaire le jeu de mon côté en off, tu vois, de manière classique, en recommençant en zéro en fait, hein, concrètement. Alors, maintenant. Là, tu vois la fluidité, les 60 FPS, tout est bien, tout est ok. Donc, on va monter sur le bazar, le cheval, et je vais te montrer comment on jouait sur PS4. Affichage, on va se mettre à 30 FPS. Voilà, ça, c'était sur PS4. Bon, moi, PS4 Pro, hein, bien évidemment. Voilà, c'est comme ça qu'on jouait sur PS4. Tu vois, tout simplement, et quand on se met en 60 FPS, eh ben tu m'excuseras, mais ça change toute la donne. Je ne peux plus jouer à 30 FPS, j'ai beaucoup de mal. Alors ça dépend des jeux comme ça maintenant, 30 FPS, j'y arriverai plus, concrètement. J'y arriverai vraiment plus. Mais certains jeux, ça me dérange pas, tu vois, mais ça, c'est tellement... Tellement beau, tellement fluide, quoi. J'ai hâte de la version remasterisée qui sortira avec. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Avec le ray tracing et tout, j'ai hâte. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Un truc au fond. Ok. Maintenant pour l'étudier. Tu vois, c'est bien de fouiller. Là, il n'y a rien.
Donc, pour ceux qui débarquent, c'est une vidéo comme dit. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Utilisez le code de la porte. Alors, attends. Soyons intelligents et logiques. C'est quoi? Mais je me rappelle plus de ça. Pourtant, j'ai poncé le jeu. Get West 2. Alors, check on voir dans le journal. Code des postes de contrôle. Alors, Est 2, 53, 45, c'est ça? Non, Ouest 2, 04, 51, c'est ça, tu crois? 04, 51. C'est ça? Get Ouest 2. Ouest 2. 04, 61, ça serait ça? Alors. Ah, oula, doucement. Attends, 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 attends. Attends, qu'est-ce que tu me fais? Un 04. Alors attends, c'était quoi de nouveau? 04-61, ou alors c'était... Cinquante-trois quarante-cinq. Alors, cinquante-trois. Putain, mais je suis con ou quoi? Attends, 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 j'ai loupé un épisode là. Get West 2. C'est moi et l'anglais, ça fait 26. Ah, c'est pas la bonne touche de nouveau. Ah, mais je me suis planté. 04-51. J'ai pas mis ça, je crois, non? 04-51. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? 04-51. Alors. Ah oui, j'avais mis 54, je crois. Oh putain! On a récupéré pas mal de trucs. Donne-moi tout ça! Ok. Zone de la carte explorée. Est-ce que je peux crafter un truc? Non. Pour l'instant, non. Et je me rappelais pas, moi, de cet endroit. Putain, j'avais exploré ça sur mon let's play. Je me rappelle plus, putain. Pourtant, j'ai fouillé toute la carte, mais... Je me rappelle foutrement plus de ça, moi. Alors, je sais qu'on a quelque chose à explorer là-bas. Tu le sais, tu vois pas l'inscription? Celle sur le bâtiment qui dit tribunal. Ah, effectivement, bien vu, Sherlock. Mais ça tendra sur la carte. Ok, le tribunal c'est fait. Et là, théoriquement, je crois qu'il y a un endroit. Alors déjà, je vais aller voir là-dedans. Ça fait un moment hein, que je me suis pas fait The Last of Us, pour être honnête. Oh, je prends. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, si, effectivement, là, il y a quelque chose à faire. Je me rappelais bien de ça. Je me rappelais bien d'un endroit comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Lire. Salut, Davis. Regarde dans les anciennes planques du WLF. Si tu trouves des réserves, il y a peu de chances. Mais on sait jamais. Prends tout ce que tu peux et retrouve-nous au Cerevena. T'en fais pas pour le carburant, on s'en occupe, Mike. Ok. Putain, oui, donne-moi ça.
Je reprends une bouteille. Tu plaisantes. Il aurait échangé n'importe quoi contre un paquet de café. Arrête, le café, c'est la vie. Le café, c'est la vie. Alors, ok. Et là, en ce moment, ben, le soir, je me mets sur ma PS5 et je suis en train de me refaire le premier The Last of Us, ainsi que celui-là, donc le deuxième. Non, celui-là, je l'ai déjà pété. Qu'est-ce qu'on a là? Et franchement, ça fait plaisir. Honnêtement, juste de pouvoir jouer à 60 FPS, le jeu reste magnifique. Honnêtement, il reste vraiment très très beau. Et je me suis dit, tiens, je vais vous faire une petite vidéo détente. Alors, je vous annonce... Je me rappelais d'un truc, mais je me... Alors, excusez-moi, je me suis fait dans le froc, là. Je sais pas, mais j'aime pas ces trucs. Je me suis littéralement fait dessus. Waouh, c'est glamour. Donc je vous annonce déjà que quand la version remasterisée PS5 sortira, eh ben, on le fera sur PS5. Clairement, je referai le let's play sur la chaîne en version PS5. Ça, c'est clair et net. Ah, oui, je me rappelle de ça, Barco. Une clé. Il y a marqué Barcos dessus. On pourrait aller y jeter un œil. Et alors attends. Ah oui, c'est OK, c'est là-bas derrière. OK, bah on va y aller, on va y aller. Donc là les amis, il y a absolument aucun spoil hein, parce que ben tout simplement j'explore Seattle. Donc voilà un petit peu pour ça, donc il y a vraiment pas de spoil là-dedans. Oh, regarde là. Du coup, je peux bouffer ça. Hop. Je crois qu'on est déjà passé par là. Yep. Alors, allons Barcos. Let's go. Du coup, si ma mémoire est bonne, il faut qu'on remonte, qu'on tourne à droite. Et on va arriver tout simplement à Barcos, qui devrait être par là, je crois. Là, il y a aussi quelque chose qu'il faut aller voir. Un camion. Si je me souviens bien. Alors, je me rappelle plus trop. C'est là, je crois. J'ai entendu. Désinfecté. Ça vient du tribunal. Ça s'annonce mal, non? Bah, au moins, on sait à quoi s'attendre. Alors, attends. Je me retrouve sur la carte. Je suis où, là? Ah, c'est derrière. Alors, attends. On reclique par là. Donc voilà, ouais, il n'y a absolument aucun spoil, les amis, c'est juste de l'exploration, de la balade. C'est là, je crois. Yes. Barcos, hey, c'est pas sur la clé que t'as trouvé? Si, si, on va y aller. On va y aller. Eh ben, je sais plus trop. On va regarder. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Alors, j'ai bien évidemment le fusil à pompe que je suis allé chercher. Alors, j'estime que si tu es là, c'est que tu as vu probablement mon LP ou que tu as simplement vu un let's play sur The Last of Us, partie 2. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ils nous prennent pour des moutons, montrer les crocs. La propagande WLF. Ça me rappelle les Lucioles à Boston. Au Nouveau-Mexique, c'était les Corbeaux. Ils s'étaient autoproclamés protecteurs de la Constitution. En gros, tu as deux moyens dans le jeu d'obtenir le fusil à pompe. D'accord ? Alors, si tu veux pas être spoil, avance la vidéo de 30 secondes. Voilà, j'en ai pas pour longtemps. Tout en bas de la carte, où c'est barré, tu as ce qu'on appelle la banque. Si tu vas là-bas, tu peux obtenir le fusil à pompe en avance et sinon tu l'obtiens plus tard dans l'aventure. Voilà, tout simplement. Fin du spoil. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi?
C'est des plans pour attaquer un convoi de la Fedra. Cet endroit est à l'abandon. Ouais. Ça fait des années que personne n'est venu ici. Et si on allait voir? Ouais, carrément. Oh! Parfait, ça. Ça, ça me plaît, ça. C'est une grenade incapacitante. Ok. Yep, on peut en crafter maintenant. Là, on a des pièces pour nos armes. Donne-moi ça. Là, on a encore des trucs. Des petites pilules. Pour te dire, j'ai recommencé le jeu il y a hier ou avant-hier. Et tu vois, je suis à 3 heures de jeu déjà. Je passe mon temps à me promener, à explorer, à fouiller, à looter. Qu'est-ce que c'est que ça? Une ceinture? Ah oui! Étui de longues armes, voilà. Effectivement. Tu vois comme quoi l'un... avant d'arriver à Jackson. Mais il n'avait pas vraiment envie de nous suivre, donc il me manque, ces petits griffouilleurs. Il y a eu des animaux de compagnie? Non, c'est pas trop mon truc. Eh ben, peut-être que quand tout ça sera fini, on pourra en avoir un. D'accord. Là, je suis plein. Ok. Je pense qu'on a tout fouillé ici. Yep. On a fouillé chez Marco. Alors, checkons la carte. Ça c'est fait. On a un truc sur l'autoroute, ça je m'en rappelle très bien. On va y aller. C'est juste à côté en plus, donc on va pas s'en priver. Où est-ce qu'il est mon bourrico? Bah merde. Ah, il est là. Les animations et tout, c'est waouh. J'étais sans voix sur la version PS4 de ce jeu qui est sublime, mais le mec qui me dit que ce jeu, franchement, le mec qui me dit que ça c'est pas beau, eh ben les gars, retournez sur Fortnite, je peux plus rien pour vous, hein, concrètement. Alors normalement c'est là, si ma mémoire me fait pas défaut. Ouais, c'est là. Et juste l'eau, quoi. Oh. Ce type était un officier. Dans un camion de ravitaillement. Il se cachait, peut-être. Il a raté son coup. Ouais, on peut dire ça. Allez, allons là-dedans. Tout est en place, nous vous attendrons. Une fois le convoi arrêté et les officiers de la Fedra capturés, tu pourras abandonner ton poste et nous rejoindre. Je sais que tu as pris de gros risques et vécu dans la peur de te faire prendre. Ta loyauté envers la cause est appréciée. Isaac. Oh putain, oui, il me dit quelque chose de Isaac. Et j'ai des flashbacks. Alors ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à mon très cher poteau l'Austral que je salue si tu regardes cette vidéo, même si je sais que pour toi The Last of Us n'est pas un jeu vidéo. Là-dessus je te comprendrai jamais, mais bref, c'est pas grave. Je suis en train de remater ton let's play, son let's play sur Resident Evil qu'il avait fait sur version 360. Et ça me fait penser à lui parce que il a parfois des moments en fait il connaît le jeu parce qu'il l'a fait sur GameCube. Et des fois, tu sais, il a des flashbacks. Comme ça, il se souvient des trucs. Ça me rappelle exactement la même chose sur The Last of Us Partie 2. Il faut savoir que la dernière fois que je l'ai fait, là, on est quoi? On est le 23 avril. Demain, faut aller voter, d'ailleurs. Faites le bon choix, les gars. Hein. Votez surtout pas ce connard de Macron, bref. Demain, faut aller voter. Et franchement, oui, ça me rappelle donc mon pote l'Austral parce que il a effectivement des souvenirs qui lui remontent sur Resident Evil. Et moi, c'est exactement pareil. Et je vous disais donc que la dernière fois que j'ai fait le jeu, c'était
C'était quand? C'était honnêtement, c'était la version PS4. Je me rappelle plus trop. Ah, c'est pas l'histoire du. Ah si, ça c'est c'est le tribunal là. Yep, mais alors attends, je veux pas aller là tout de suite moi. Je vais d'abord encore fouiller un peu, parce que je sais plus s'il y a d'autres trucs à fouiller. Et du coup, ouais, je vous disais, je l'ai fait il y a peut-être. Peut-être plus d'un an et demi hein, que je l'ai fait. Faudrait que je regarde mon let's play d'ailleurs, je me rappelle plus. Quand je l'ai tourné, bien évidemment. Et j'ai des putains de flashbacks qui reviennent et ça fait trop plaisir. Ok, donc ça, on a fouillé. Alors, de mémoire. Là, on peut pas aller. Est-ce qu'il y a quelque chose à fouiller ici? Les militaires ont pris une sacrée branlée. WLF, ces types-là, ils déconnent pas. Ouh. Je sais qu'il y a quelque part où il faut fouiller. Je crois bien que c'est là. J'ai un doute, je vais quand même aller voir. Ouais, tu vois, j'ai quand même de bons souvenirs. Allez, fouillons. Qu'est-ce qu'on a à trouver ici? Ah, oui, la fameuse méthode. Donne-moi la brique, s'il te plaît. Ok, on est passé. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des médocs, des améliorations d'armes. Oh putain, il y a plein de trucs là. Une carte de super-héros à collectionner. Et donc, on a fouillé l'endroit. Ok, let's go, continuons. Continuons. Alors, par là-bas, vous avez la fameuse banque que je vous ai donc parlé. Là, il y a un endroit où je dois aller. Oui, C'est bon, c'est et sur la carte. c'est effectivement l'endroit qu'il va falloir qu'on aille fouiller. Maintenant, la question que je me posais, nous, on vient de là-bas. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à fouiller? Je me souviens plus trop. Je vais quand même faire un petit tour en votre compagnie pour être sûr de ne rien louper. Donc ici, c'est la fameuse banque que je t'ai parlé. Du coup, là, nous, on vient d'ici. Qu'est-ce qu'on a par là? Ce semi-open world, j'aime, j'adore. Franchement, c'est l'un des plus bons trucs, des meilleurs trucs qu'ils ont fait sur The Last of Us Partie 2. C'est pas un open world à proprement parler, tu vois, mais ça reste ouvert pour pouvoir explorer un petit peu et tout. Et ça, je trouve ça franchement super, quoi. Ils ont vraiment eu une putain de bonne idée. Et j'apprécie vraiment ce qu'ils ont fait. De toute façon, moi, cette série, cette saga, j'apprécie plus. Alors oui, ça, je m'en souviens. Là, on a été. Bah, je crois bien qu'on a plus ou moins tout exploré, hein. Il faut qu'on aille là-dedans. Mais avant d'aller là-dedans, qu'est-ce qu'on a là comme bordel? Oh, ah si, si, si. Ça, j'ai déjà fait. J'ai déjà exploré. C'est ici qu'on trouve un atelier d'armes. Là, on ne peut pas aller. Ah, et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le truc de musique, si je dis pas de conneries. Yep. Bah ok, bah écoute, on a tout fouillé. Dans ce secteur-ci. Hop là, pardon le cheval.
Moi, je vais quand même passer par là. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais je vais quand même passer là. Non. Alors, ce que je te propose, c'est que on continue. On avance un peu dans l'histoire. Même si, te tracasse pas, là, on va explorer un endroit. C'est franchement pas du spoil. T'embête pas avec ça. On va aller ici. Parce que notre objectif, c'est donc de trouver de l'essence. Alors attends. J'ai ça. Let's go. Moi, je vais d'abord monter là. Là, je suis pas venu encore, ça c'est sûr et certain. Alors, pour ceux qui demanderaient, je suis en difficulté normale. Hop. Première classe, Miller. Selon nos ressources, pardon, le WLF aurait une base active à l'angle de Spring et de la 5e. Rassemblez les soldats disponibles de votre secteur et rendez-vous sur place immédiatement. Exécutez les suspects, sécurisez les lieux et attendez mon arrivée. Ok. Ok, donc là, on n'a absolument rien. Continuons notre recherche. Alors moi, ce soir, alors là, on est samedi soir, il est bientôt 21h. Je vais bientôt aller casser la croûte. Je vais me faire clairement une soirée The Last of Us partie 2. Parce que j'ai envie. J'ai enchaîné pas mal de montages. Je me suis bien fait chier la bite sur certains trucs parce que j'ai eu pas mal de bugs. Ça m'a bien saoulé d'ailleurs. Donc, on va se faire plaisir ce soir. Voilà. Détente au calme. Et ça sera très bien. Ok. C'est bon, vas-y. Ah. Les fameux copains infectés. Il peut donc pas me voir. Allez, on va essayer de l'attraper, de le faire en discret. Ah, cool. Elle flingue le deuxième. Magnifique, Dina. Merci. Ok. Continuons. Eh oui. Oh putain, il y a des claqueurs, il y a tout ce que tu veux là. Alors là, je vais tenter une stratégie de type à base de cocktail Molotov. On va se planquer derrière les rondins. À moins que toi, je peux réussir à te buter, toi. Mais non, saloperie! Cours, ta mère, cours! Quoi? C'était pas du tout ça que je voulais faire, mais bon, hop. Ok. Ça a pas du tout marché, l'autre il m'a capté alors que je rampais, tu vois. Bref, c'est pas grave. Allez, continuons. En fait, ce que je voulais faire à la base, c'était lancer une brique et un cocktail Molotov, histoire de cramer tout ça.
Mais finalement, c'est pas trop comme ça que ça s'est passé. Hop là. Ok. Là, il y a l'essence. Traduction. Comment tu le sais? Bah, d'une, il y a des menorahs sur le mur, le chandelier des héros. Et deuxièmement, j'ai pas encore pris feu. Comment ça a pris feu? C'est une blague débile. Ça t'arrive d'en faire des bonnes? Ferme-la. Cet endroit me rappelle des souvenirs. Ma sœur arrêtait pas de me traîner à la synagogue. J'imaginais pas que t'étais croyante. Non, mais j'aime être issue d'une longue lignée de survivants. Tu parles de l'épidémie? Ouais. Et de l'Inquisition. Et de l'Holocauste. Ma famille a toujours survécu. Ou presque. Ok. Non, il n'y a rien là. J'ai trouvé de l'essence. Allez. Ah, oh, des merdes. Hé, hey, sois poli. C'est un lieu de culte. C'est vide. Ça craint. C'est quoi? Ah, essayons le parking du tribunal. On se tire. Forcément. Ça t'arrive encore de prier? Ah oui, je me rappelle. Comment? Alors attends. Quand ça? J'ai prié quand on a quitté Jackson. J'ai prié sur la tombe de Joël. Parfois, je me dis des petites prières, juste pour moi. Ça, je me rappelle. J'ai quand même de bons souvenirs du jeu, hein, comme dit. Voilà. Vas-y, vas-y. Ça t'aide? Je crois que ça m'apaise. Ça m'aide à prendre un peu de recul. C'est une façon de gérer mes émotions, de faire preuve de respect. J'ai pris l'habitude. Yep. Eh ben, je n'ai rien contre les gens qui prient. Parce que chacun il fait bien ce qu'il veut. Moi personnellement, c'est vrai que je suis pas le genre à prier Par personnellement. là. Mais après, comme dit, ça me dérange absolument pas. Chacun fait bien ce qu'il veut. C'est quoi ça? Ah, oh, ça c'est la Torah. La quoi? Disons que dans le judaïsme, c'est un peu l'équivalent de la Bible. Mmh. Ah. Ma sœur aurait D'accord. aimé voir ça. Celle qu'on avait au Nouveau-Mexique était à moitié brûlée. Allez. Bah Eux. récupère-la, hein. Au moins, ils ont pas tout balancé. Si t'es croyante, moi je l'aurais récupéré ce truc-là. Dans un monde post-apo comme ça. Oh, qu'est-ce que je vois là? Des petites pièces d'amélioration d'armes. Oh putain, oui, alors ça je me rappelle. Hey, qu'est-ce que tu fais? Même que je m'étais Arrête, tu fail. vas atteindre l'autre balcon avec ça. Ok. Ellie, fais gaffe. Alors attends, C'est bon. R1. Ça tient. Je crois même que je m'étais foiré lors de ma run PS4. Oh putain, Pas de c'est pas passé problème. loin. Allez, Dina. Ok. Vas-y, Dina. Ok. Là, il y a une porte, non? Yep. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit document à lire. Lieutenant Torres, il y a
70 ans, mon grand-père a quitté l'Allemagne avec sa famille pour échapper à la Seconde Guerre mondiale. Il a fui grâce à la bonté et à la bravoure d'une famille polonaise. La vie suit son cours et le cycle continue. Ce soir, ma famille fait ses valises et grâce à votre générosité, nous quittons la ville escortée de vos courageux soldats. Merci de m'avoir aidé à préserver notre synagogue. Il est difficile d'abandonner notre maison, mais au fond, ce sont des personnes vivantes qui comptent le plus. Vous portez sur vos épaules une lourde charge et j'espère que nos conversations nocturnes vous ont aidé dans votre tâche. J'en ai une dernière. Retournez. Dernière pensée. Chaque pas qui nous éloigne d'un monde meilleur est généralement suivi de deux pas dans sa direction. Gardez espoir en l'avenir. Comme le dit l'abdage, il suffit d'une bougie pour dissiper les ténèbres. Que Dieu vous protège, Rabbin Ziva Zonder. Ok. J'espère que vous êtes sain et sauf. Ouais, ce serait bien. J'espère toi aussi. On a fait un bond dans le futur? Mais non, c'est un calendrier hébraïque. Pour le nouvel an, ma sœur m'offrait toujours une pomme enrobée de miel. C'est trop bon ça. J'en ai déjà mangé. Ah, ça devait être bon. Pendant les fêtes juives, on mange tout le temps. Et puis, on se félicite de ne pas avoir été annihilés par nos ennemis. Une longue lignée de survivants. Exactement. Ok, bah sortons de là. Nous n'avons plus rien à faire ici. Hop, c'est par là. Ok, le dôme, c'est fait. Passons au tribunal. Il vaudrait mieux trouver plus de matériel avant de continuer. Ouais, bon, on a déjà tout exploré, Dina. Au moins ici, on a un peu de calme. Ça fait bizarre de pas entendre de bruit de camion dans les ZQ. Ou des coups de feu, des explosions. Ma sœur évitait toujours les zones de quarantaine. C'est sûrement à cause de ça. Elle devenait de plus en plus parano. Elle se réveillait parfois en pleine nuit, en hurlant. Ça doit être dur. On était toujours prêts à repartir, toujours sur le qui-vive. On n'est jamais resté au même endroit plus de quelques semaines. C'était l'horreur. C'est bien d'avoir un vrai chez-soi, non? Ouais. Quand je suis arrivée pour la première fois à Jackson, j'étais impressionnée par tous ces gens. J'étais impressionnée par toute la nourriture. J'ai passé toute ma première semaine à me gaver. Je me remplissais les poches de nourriture pour être sûre de pas en manquer. Ouais, je t'ai vu. C'est pas vrai. Si, si, je te jure, je me suis même demandé qui était cette asperge qui nous volait toute notre viande. J'ai pas volé tant de viande que ça. Alors, le tribunal, il est là. Et de mémoire, il faut rentrer par là. Attends, il y a un escalier là, je voudrais quand même aller voir. Ah bah tu vois. Gavin, Darek a eu des problèmes avec une fenêtre cassée la semaine dernière. Ce con aurait perdu sa jambe si on ne l'avait pas emmené vite fait au Cerevena. J'ai décidé de laisser du matériel à divers endroits du centre-ville pour de futurs cas d'urgence. Jambe cassée, infection, connerie de Derek ou je ne sais quoi. Puisque tu vas par là, tu veux bien ravitailler la planque du poste de contrôle Ouest 2. La porte n'a pas été ouverte depuis des années, mais le code est toujours celui Ouest 2. Ok. Allez, ça c'est fouillé. Ça c'est fait. Maintenant on va grimper. Ça j'ai ouvert. Et là, il faut qu'on aille là. Let's go. Oh putain, oui, là non, ça va chier les bulles. Chut.
Merde, j'ai pas de briques. T'es sérieux, toi? J'ai pas une... J'ai pas une putain de brique. Alors, par contre, ce que je peux faire, c'est ça. Ça, c'était beau. Ok, c'est tout. J'entends rien. Allons trouver de l'essence maintenant. Ouais. Je me demande comment c'était de faire partie d'un jury. Ça devait être marrant. On s'asseyait, on examinait l'épreuve, on essayait de savoir si quelqu'un mentait. Pour ça, il me suffit de 5 minutes et d'un couteau. Et je sais direct si quelqu'un ment ou pas. C'est pas faux. C'est ce qu'on appelle être radical. On s'est plutôt bien démerdé dans notre scène d'action là. Alors ici, de mémoire, il faut bien fouiller parce qu'il y a pas mal de loot. Je crois même qu'il y a une porte qui nous donne des pièces d'armes, si je dis pas de conneries. Là, c'est la suite, normalement. Mais alors, attends. On va refouiller, pour être sûr. Parce que je suis pas passé là, tu vois. Et j'aime bien. Tu vois. Hop là. Un petit loot. Une bouteille. J'en avais besoin avant, mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Ok, je vous retrouve. J'ai fait une petite ellipse. Pour vérifier mon enregistrement, bien évidemment. Alors, on va continuer. Hey, tu m'aides? J'arrive. Non. Tu veux dire que t'as jamais eu d'ennui à Boston? Bien sûr que si. Mais j'ai jamais atterri au tribunal. J'adore ces putains de dialogues. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donne-moi du papier, je prends. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Un petit tiroir. Il y a rien dedans. Il s'est passé des trucs moches ici. Ouais, comme tu le dis. Alors, de mémoire. Ici, il y a un endroit. Ah, il y a une note. Benny, le WLF va gagner. La ville va bientôt tomber. Et si tu ne quittes pas la Fedra, je ne pourrai pas te protéger. Jusqu'à récemment, je pouvais comprendre que tu restes avec eux. Mais après le massacre du marché, je ne vois pas comment vous pouvez encore nous qualifier d'assassins aveugles. Ces personnes essaient simplement de nourrir leur famille. Et aujourd'hui, vous commencez à exclure des gens pour rébellion, c'est les condamner à mort. Écoute, il n'est pas trop tard, je me porterai garant pour toi. Retrouve-moi au Ruston à 2h vendredi, viens seul, je t'en prie. Je sais que ça fait peur, mais c'est la seule façon, ton ami Sandra. C'était mérité, je suppose. Des soldats de la Fedra. Regarde le mur. Ils ont été exécutés.
Effectivement. C'était pas juste une exécution. Ils les ont réduits en bouillie. Ils se sont fait défoncer. Alors ça s'ouvre pas normalement. Donc là, si ma mémoire est bonne, on fait ça. Voilà. Donne-moi la bouteille, je récupère. Ah, il y a un coffre. Ah, c'est quoi ça? Les manuels d'entraînement vous donnent accès à de nouvelles branches d'amélioration. Ok. Confection. Appuyez pour l'étudier. Ah. Confection d'amélioration d'armes de corps à corps. Améliore votre arme de corps à corps en restaurant sa durabilité et en augmentant sa puissance. Je prends. J'ai 152 bordels. Donc autant un petit peu les utiliser. On va prendre ça aussi. Les kits de soins rapides. Voilà. Là, on a quoi? 100% la vitesse de confection. Je prends. Confection de fumigène. Ok, et là on a quoi? Là j'ai pas assez. Bon, on va prendre ça. Donc là normalement je peux fabriquer des fumigènes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a un coffre et je crois que le code il est là. 86-07-22. 86-07-22. Non, là. 86-07-22. 86-07-22. Ah, putain, donne-moi ça. Ok. Et là, je suis plein, je peux rien crafter. Non. Ah, attends, là, il y a quelque chose. Je prends. Et là, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Agitateur du WLF Un répertorié. immense bête. Ouais, donc ça c'est rien d'intéressant. Le code on l'a. Oh, oh putain, alors tu crois que j'ai pas vu ça? Donne-moi ça. Ok. Bah écoute, on va continuer. La porte est ouverte. Où est-ce que je dois aller? Ça c'est la question maintenant. Par là peut-être? Non. C'est pas par là. Je crois bien que c'est ici. Ah, oh, attends. Putain, heureusement que je passe là. Et t'as vu ce que j'aurais loupé? C'est quoi ça? Putain, mais fais-moi pas ça, toi. Alors, c'est quoi ça? Parking. On Lire. consommera de l'essence. Si on en croit la note, ouais. Bon, alors on y va. Alors juste niveau balle, ok. Alors toi, j'en profitais. Je vais te recharger un petit coup. Toi, je peux pas te recharger plus. Je vais équiper le fameux pistolet de Joël. Faut que je descende. Ouais, c'est ça. Ok. Oh putain, oui. Je me rappelle. Recharge. Tire sur quoi, toi?
Dégage. Dégage. Bien joué. Je crois que c'est bon. Oh bordel. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. On n'a plus qu'à trouver l'essence. Je peux rien crafter de plus là. Putain, je suis plein de matériaux. Ah, attends, ce que je peux peut-être éventuellement faire, c'est me soigner. Voilà, comme ça, je crafte un kit de soins et du coup je récupère le loot. Voilà. Ok, là y a rien. Putain, j'ai mon téléphone qui s'est mis en mode veille. Enfin en mode repos, enfin t'as compris. Attends, c'était quoi ça? Là y a rien, ok. Ça, je prends. Ah, là, il y avait un truc, non? Non. Là, il y a l'essence, ok. Là, il y a des choses. Oh oui. Recharge-moi ça, s'il te plaît. On va reprendre ce pistolet-là. Là, il n'y a rien que je puisse looter. Là, on a déjà une brique. Ok, donc là, on peut rien faire de plus. Maintenant, il faut récupérer l'essence, mes très chers amis. Et je crois bien que ça va être la guerre. Alors, attends. Et on a de l'essence. La chance est enfin tournée. Ne porte pas la poisse. Enfin, vu le prix de l'essence en 2022... J'en aurais bu de l'essence pour te dire. Comment on fait pour sortir d'ici? Ben par la porte. Normalement c'est par là qu'on sort. Non? Ben si, si. Ah voilà, je me disais bien. Ok, donc là, il faut qu'on retourne au portail. De mémoire. Ouais. Ok. Ici, on a plus ou moins tout exploré, je crois. Juste un peu. Et toi? Pareil. Avoir un toit au-dessus de la tête, ça manque. Tu sais, j'ai toujours rêvé de retaper une ferme à l'extérieur de Jackson. Tu veux pas rester en ville? Je sais pas. J'aime l'idée de vivre dans de grands espaces. Comme une ermite. Seulement si on le fait seul. Ok. Alors, on va élever des moutons ou des vaches, c'est ça? Tu te moques de moi, c'est ça? Non. Franchement, cette idée me fait... Vraiment? Oui. Vraiment. Eh bah, quelle aventure! On n'a croisé aucun WLF. Hé, hey, la ville est grande. On commence à peine les recherches. Ouais, je sais. J'avais espéré en trouver au moins un. Oui. Alors, nous y sommes. Alors, attends. Il faut que je me rappelle du code. Là, c'est Get Est 2. Alors, le code... J'ai 102 trucs d'amélioration. Putain, c'est ici que je les vois.
Merde, attends. Clé de l'animalerie, non. Carte de Seattle. Code, là. Est2. 53-45. Alors, tu sais quoi? Je vais même faire une photo. Voilà, avec mon téléphone. Comme ça, j'aurai pas besoin de m'emmerder à chaque fois à chercher le putain de papier. Ok, je m'en charge. Tu peux taper le code. Oh, la Les musique. générateurs sont parfois capricieux. Il faudra sûrement essayer plusieurs fois. Oh. Non, rien. Donc j'ai dit 53-45. Ça a marché. Et ben voilà. Bon, pas de comité d'accueil. Ou alors ils se sont planqués. Surveille bien les fenêtres. Ouais, comme tu dis. Wolf, WLF. J'ai compris. Ah ouais, ça se tient. Alors, de mémoire. Je dis bien de mémoire. On peut grimper par le camping-car là. Mais alors attends, parce que je crois qu'il y a encore autre chose à regarder. Hop, monte. Ok. On peut grimper par le camping-car, si ma mémoire est bonne. T'as vu ça? Ah, et On a par passé là. par-dessus la barrière. Et je crois qu'ici, il y a Pourquoi quelque faire chose. pareil, du coup? Ça, c'est la... Coup de feu, c'est bizarre, non? Je sais pas ce qui se passe. C'est Get East 1. T'as le code du portail? Je suis pas sûre. Ah non, on l'a pas celui-là. Attends. Non, on l'a pas. Donc on est obligé de passer par le bâtiment. Mais avant ça, je vais passer par le camping-car. Ou c'est par là qu'on descend, je sais plus, putain. J'ai un trou là pour être franc avec toi. J'ai réellement un trou de mémoire, mais on, c'est pas compliqué, hein. On va regarder, hein. Ah, je crois que je peux pas grimper dessus, donc comme ça le problème il est réglé. Donc ça doit être par là qu'on redescend. Donc on va monter par là-bas et là ça va être le zoo. J'ai trois cocktails Molotov, j'ai une fumigène, j'ai deux balles de ça. J'ai du fusil à pompe et j'ai ça. Écoute, pour l'instant, on est pas mal. On est pas mal. Ouais, et là, il y a pas mal de monde à l'intérieur du bâtiment. Donc, on va essayer de se jouer ça à la méthode classique, c'est-à-dire qu'on va essayer de pas tout faire péter et d'y aller vraiment de manière Bien joué. Ça, c'était beau, ça. Ok, ça c'est fait. Ça, c'était beau. Pas trop de munitions dépensées.
pas très beau. On dirait qu'ils ont pas pu récupérer l'essence dont ils avaient besoin. C'est plutôt bon signe. Si jamais ces enfoirés qui ont tué Joël se sont fait avoir par un Vulcain infecté. Ils seraient morts, c'est tout ce qui compte. Ouais, mais ce serait pas juste. Ouais, c'est sûr, mais bon. Profiter d'être là pour faire le plein. Ah oui, ça je prends. Ça, je prends. Crois-moi sur parole. Alors, la seule truc, je suis donc en mode normal, hein, bien évidemment. Je suis pas en mode facile, je suis en mode normal. La seule chose, c'est que j'ai mis les ressources. En gros, pour qu'il y en ait beaucoup, quoi. Parce que j'aime bien looter, j'aime bien fouiller, enfin voilà, quoi. Tout simplement. J'ai pas d'armes de corps à corps d'ailleurs. Putain, ça fait un moment que j'en ai pas là. Ah, qu'est-ce que je peux craft? Vas-y, on fait un fumigène. Hop. Il y avait pas d'ailleurs un truc maintenant que je peux récupérer pour le coup? Que je pouvais pas parce que justement j'étais plein. Ah, tu vois, je le savais. Ok, alors, là, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien, là, on n'a rien. Là, on a tout fouillé. Ok, ben, on va continuer. Oula. Moi, j'ai... Oh, ça y est. Une arme de corps à corps. Ils se sont fait tirer dessus. Tu les reconnais? Non. C'est probablement quelqu'un d'autre qui les a tués. Là, y a rien. Ok. Ça, je prends. Je prends ça aussi. Je vous reprends. J'ai fait une mini coupure. Alors d'ailleurs, ça me fait penser que je vais sauvegarder. Je vais faire une nouvelle donnée. La puissance de la PS5, pardon. Les saves, vu qu'on est sur NVMe, c'est à la vitesse lumière, quoi. C'est impressionnant. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? J'ai trouvé de l'essence. Bon, si on a besoin de rab, on sait où en trouver. Bah, faites plein de ta jerrycan. Enfin, moi, c'est ce que je ferais, personnellement. Hein. Je ferais plein de la jerrycan. Et puis, je me blinderais. Parce que de l'essence, ça peut toujours servir. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai fait un petit tour. Alors, voilà. Théoriquement... Quand tu cherches pas un petit peu plus loin dans Boston, je crois que c'est ici que tu trouves le fusil à pompe. Je le reconnais pas non plus. Il est sur lui. Mais vu que nous, on est des looters de l'extrême et qu'on a fouillé avant et tout ça, on a bien évidemment le shotgun avant les autres, tout simplement. Alors, on va partir par là. On va regarder ce qu'on peut faire ici. Ça me déclenche pas un script, ça? Ouh, j'ai bien l'impression que... Si. Allons voir ici. Il y a peut-être des pilules ici? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, cool! Une arme bricolée améliorée. Donc, arme de corps à corps, bien évidemment, hein, comme tu l'imagines. On peut ouvrir là. Derrière moi aussi, je crois que j'ai vu un truc. Ah, une carte. Cool. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Notre attaque du poste de contrôle de la Fedra a marché. On a tué au moins 3 de ces brutes. Contre quelques blessés de notre côté. Au lendemain des pertes subies, ça fait du bien de riposter. Ce soir-là, on a eu Isaac comme nouveau commandant. C'était un peu tendu, le fait qu'il ait exécuté sommairement ses prisonniers dérange plusieurs personnes. Mais je l'aime bien, il n'a pas peur de prendre des décisions.
Vendredi, Quatrainville. Je suis crevé, mais c'est pas étonnant. On a reçu 8 nouvelles recrues en quelques jours. Et 6 d'entre eux étaient des déserteurs de la FEDRA. La directive d'Isaac cartonne. Ou alors, c'est tous ces flyers. On nous vend, on nous prend au sérieux. Maintenant, le WLF est devenu une véritable alternative. On va dégager ces fascistes et reconstruire les fondations qu'on avait posées. Emma et Jason. Ok. Oh, ça fait plaisir. Deux petites cartouches de fusil à pompe, là, au calme. Ça fait aussi plaisir. Il n'y a rien, mais j'avais envie de le casser. Voilà. Ok. Ici, on n'a rien de plus. Attends. Je suis pas allé là. Si, ça déclenche la suite, je crois bien. Là-haut, on ne peut rien faire. Et là en bas, on n'a rien à faire de plus, hein. On a tout fouillé. Ok. Non, mais ouais, je sais, je suis un peu casse-couille. Moi, dans The Last of Us, j'aime bien tout fouiller, tout looter, tout poncer, tout regarder. Enfin bref, t'as compris quoi. Juste les reflets dans le miroir, quoi. Ah. Alors attendez les amis, je vais faire une coupure. Ok, je vous reprends. Bon, c'est pas dans les meilleures conditions, à vrai dire. J'ai mon vieux chat Emerald que vous connaissez. Je crois que ça va être la fin. Le train arrière part en Javel. Enfin, en même temps, le chat il a 25 ans, tu vois. Mais bon. Bref, je vais continuer de jouer pour m'occuper un peu le cerveau et ne pas penser à ça. Parce qu'il y avait un moment où il va falloir que j'y passe à ces conneries. Bon, continuons. Là-bas, il n'y a rien. Non. Il y en a un autre par ici. Oui, je l'ai jamais vu. Ils les utilisaient l'un contre l'autre. Comment ça? Joël qui m'a appris ça. Tu poses une question à ce type, mais il répond pas à voix haute, il doit écrire sa réponse. Ensuite, tu demandes à l'autre. Et si les réponses coïncident, ils disent la vérité. Sinon, tu les tortures. Ok, donc il n'y a rien à fouiller là. Les bruits de parquet, quoi.
Juste ça, il n'y a pas un jeu qui est capable de le faire bien, quoi. Enfin là, je t'avoue que ça me fait du bien de faire cette vidéo, enfin de filmer là, parce que ça m'occupe le cerveau, mais moi qui avais faim avant, là, l'appétit est parti, quoi. Eh mais alors attends, maintenant je perds. Je... Je veux pas que tu te fasses une mauvaise opinion de Tommy. Si le meurtrier de ma sœur était du côté d'une chaise, je leur ferais pire. Ouais, j'imagine. Par contre, on n'a pas le code du portail ici. Attends, on va regarder. Putain, le code, il était inscrit avec le sang, je crois. Mais oui, c'est ça, putain, quel con. Et j'ai pas vu. Ah, mais je peux plus y aller. Donc c'est que quelqu'un l'a retenu. Donc ça peut être cool. Parce que sur le coup, j'ai franchement pas fait attention. Je propose qu'on trouve un endroit pour s'abriter. Quelque part en hauteur, qu'on puisse observer les environs. Ouais, ça me va. Ok. Il faudrait trouver un bâtiment accessible. De préférence sans infecté. Et sans WLF. Sans Wolf. Peu importe. J'ai encore ces trucs aux amandes, si jamais t'as un petit creux. Ça va, merci. Il faut que tu manges. Oh mon dieu. Quoi? Oh, je m'en rappelle de ça. Ça va aller. Je me rappelle de ça. Me rappelais de ça. Effectivement. Je pensais pas te revoir un jour. Comment tu nous as trouvés? J'ai dit que je cherchais une forêt avec une grosse cicatrice. C'est marrant. Il y en a combien avec vous? Juste vous deux? Tu m'arrêteras pas. Jordan! T'étais censé chercher l'autre dehors. Qu'est-ce que tu fous? Tu te souviens du mec qu'on a buté à Jackson? Ouais. Cette fille était là. Quoi? Ils viennent se venger. C'est pour ça qu'on a retrouvé Nick dans cet état. On l'amène à Isaac et qu'on lui explique exactement ce qui se passe. Ouais, bah Isaac vient de me contacter par radio. Et les ordres ont changé. On doit tuer tous les intrus. Oh, go. Attends. Fais pas de conneries, mec. C'est un ordre direct. Non, faut la faire parler. Qu'elle nous dise ce qu'elle sait. Mais je m'en fous de ce qu'elle sait ou non. T'as vu ce qu'elle a fait aux autres? Réfléchis, on n'a aucune idée de combien ils sont. Ça pourrait être une embuscade, Mike. Combien ils sont, on les trouvera, on les butera. Tu peux pas réfléchir par toi-même deux secondes. Dégage et tu laisses faire mon boulot. Tu peux pas. Dina!
enfoiré. Est-ce que ça va? Si on veut. Ellie. Il faut qu'on parte. Ils ont forcément entendu les coups de feu. Regarde. C'est une des leurs. Viens, on verra ça plus tard. Il y avait une station télé sur la carte? J'en sais rien du tout. Allez! Putain, Ellie! Eh oui, je vais m'arrêter là et je te reprends pour la suite parce que j'ai envie de continuer de te faire une petite vidéo de détente, voilà. Portez-vous bien et je vous laisse en suspense et on se retrouve très vite pour la suite de The Last of Us Partie 2 détente version PS5. C'était ça, la bise à tous, ciao tout le monde.